Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crézip, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur The Last of Us. On s'était laissé ici sur les ports, sur le port, pardon, les docks ou le port, hein, on fait pas le mix des deux. Donc voilà, on était arrivé ici, j'avais encore montré mon incapacité à être discret, hein, bien entendu. On change pas les bonnes vieilles habitudes, et donc du coup on la suit. Alors Ast, tu suivais Marlène à la porte. J'ai cru que j'allais les enfermer, ça aurait été drôle. Oui, il n'y a pas de meilleur moyen pour faire du bruit. On n'est plus très loin. J'hésite quand même un petit peu à me soigner. On va attendre un petit peu quand même, parce que c'est vrai que j'ai mal joué depuis le début. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça ressemble à des... Je sais pas. Bon. Je peux plus courir de nouveau. C'est normal. Ouais, tu viens de nous le dire qu'on était presque arrivé. Non, j'essaye juste de trouver... Pourquoi je peux pas courir? Tu fais ça. On va en profiter qu'on peut pas courir pour chercher s'il n'y a pas des objets. Apparemment non. Je me demande si ce serait pas un piège qu'elle nous tend, celle-ci. Joel, give me a hand with this. Oh. Come on now. Get on up. Fuck away from her. Ah. Let her go. Recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't Bullshit, think that's the I'm best Ellie. Idea. Him? How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. Voilà, enfin on tombe sur Ellie qui va, je pense, nous accompagner maintenant jusqu'à la fin du jeu. Voilà, bonjour. Bon, elle veut pas répondre. Donc du coup, je me revois un petit peu tout seul. Ah, quasiment. Juste que je sais pas où... Ah, un collier. Encore une fois, pendentif des lucioles. Donc oui, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Bon, alors, il faut que je l'emmène au Capitole. Mais si je me souviens bien, dans la démo, c'était là qu'il fallait que je me rende. Donc écoutez, peut-être qu'on va pas tarder à rejoindre le passage de la démo. On peut passer par une porte là, non? Non. Ah, puis c'est pas elle qui va m'aider cette fois-ci. Là, je vais devoir carrément me débrouiller.
comment qu'on passe? Oh. Ok, bah si je suis bloqué à la... au premier endroit... Ah non, c'est bon. J'allais dire au premier endroit où elle est pas là. Je suis bloqué, ça va pas. C'est bon, on a retrouvé notre route. Ah là, je pense qu'il va falloir faire attention. Voilà, allez-vous-en. Oui, on a compris, faut pas se cacher. Ok, faut pas se cacher, faut pas être menaçant, faut pas je sais pas quoi, mais je ne ferai rien de tout ça. Vous inquiétez pas. Où est-ce qu'on va? J'en sais rien, sincèrement. Essayez de guetter un peu partout. Ah, une poubelle. Ah, il va falloir la tirer. Ah mais... C'est un peu galère. Je sais même pas si c'est par là en fait qu'il faut la poser. Y a pas d'échelle. Un endroit où il y a une échelle ou j'ai mal vu ou... Ah peut-être par là. Ah c'est un petit peu compliqué hein, quand même à diriger. Allez pose-moi ça en même temps, c'est une poubelle, une grosse poubelle. C'est bien là qu'il faut aller, oui. C'est bon. On a trouvé, on n'est pas resté coincé à un endroit débile pendant 15 jours. Faut l'aider? Non, non, c'est bien. Moi, c'est pas un boulet, elle peut le faire toute seule. Même si c'est qu'une cabine. On peut parcourir de nouveau. You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom. And I'm 14. Not that has anything to do with me. So where are your parents? Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, we decided to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You don't know the best thing about my job. Ok, y a que par là. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Eh, je suis désolé si par passage je parle pas, mais c'est pour que j'arrive quand même à suivre un minimum l'histoire. Et pareil pour vous, donc voilà, si dès qu'il y a des dialogues, je la ferme pour vous laisser suivre l'histoire. Ouais, on va faire une sieste. What are you doing? Killing time. Je te tue le temps. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. The watch is broken. You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. You know, I've never been this close to the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Can it? What on earth do the Fireflies want with you? Hey. Sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Merlene? She'll make it. I saw the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. Voilà, donc peut-être qu'à partir de là, on va reprendre le passage de la démo. Ah non, toujours pas. Je pense que c'est un peu étrange qu'ils aient besoin de faire leur smuggling.
Marlene wanted to do it herself. There weren't twice, or the second for that matter. She's lost a lot of men. They just can't be killers. I just hope there's someone alive to pay us. Someone will be open. Je veux dire, qu'est-ce que t'attends? Moi d'abord. Ok, ils veulent pas que je passe en premier. Tiens, j'ai toute la lampe dans la gueule. Moi. Oh là, alors qu'est-ce que c'est ça? Ah mince, c'est triangle. Ah mince, ok. J'ai compris. J'ai compris les copains. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Après, c'était vraiment pas compliqué. Mais je me suis... Il fallait quand même que je me trompe. Hein. Fais pas les choses à moitié. Girl must be important. What is the deal with you? You some big wig's daughter or something? Something like that. How long is this all gonna take? Voilà, c'est hyper sombre. Alors, j'aime pas tellement les passages accroupis comme ça. Surtout quand il fait noir. Un triangle. Allons-y. Ouais, il y a une patrouille, bah. All right, we're good. Come on up. Come on, kid. Allez, gamin. Watch your step. It's raining. Je crois qu'on va reprendre le passage de la démo, ou pas encore. On devrait s'en rapprocher quand même. Je crois qu'il fallait passer par là. Il y avait un passage, les filles? Ah oui, moi je l'ai pas vu. Ah voilà, comme je l'avais dit pendant la démo, il y a des sons qui sont atténués en fonction de l'endroit où on se trouve. Wow! Ok. Move. Move. Turn around, on your knees. You scan them, I'll call it in. Put your hands on your head. Ah, c'est une mauvaise nouvelle, ça, une très mauvaise nouvelle. This is Ramirez at Sector 12, requesting pickup for three stragglers. Understood. Look the other way. We can make this worth your while. Shut up. Elle va être infectée. Mm-hmm. What's the ETA? Couple minutes. Sorry! Ah! Oh la vache. Oh, fuck. Ah, elle en a dans le pantalon, la gamine. Hein. Oh shit. Look. Jesus Christ. Marlene set us up. Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Just lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. Whoa. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? Oh là 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 là. Run! Go! Go! Move! Vite, 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 vite. Follow me. Quickly.
Ouais, mais on court où? J'ai pas l'impression qu'elle nous suivait, mais... Ah si, oh la vache, elle a failli se faire choper. T'approches pas de la lumière. T'inquiète pas, moi je vous suis. Hein. T'approches pas de la lumière, elle est pas passée loin quand même. Hein. Ellie, it's gonna be another sprint. You ready? Sure. Wow. Yeah. God damn it, they're everywhere. Ah, elle me bloque. Activer la lampe d'or, je sais pas si ça changera quelque chose pour vous. Ok, elle est passée à travers. Où ça, des soldats? Just stay back. Ils sont par là, les soldats, mais... Stay down, don't let him see you. Ah non, ils sont là. Ok, faut que nous on avance. Tu me gênes. Je vois pas ce que tu veux que je fasse en fait, parce que ils sont un peu techniquement en train de regarder où je suis et ils bougent pas. Ou alors faut y aller quand ils regardent pas, mais peut-être ça. Hein. Écoute, on va essayer, on a rien à perdre. Ok, c'était bien ça. Où que tu regardes, mon petit. Est-ce qu'on va réussir à faire une mission en infiltration? Enfin, une mission. Un passage en étant infiltré comme ça, c'est bon. Je pense que là on est passé. J'accélère un peu parce que. Voilà, hein, c'est jamais. Oh, il y en a encore par là. Oh, c'est un drap, je crois que c'était un mec. Je vais vous réactiver la lampe torche. Ah, des objets. Un ciseau et du ruban adhésif. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avancez pas? Il y a peut-être une raison? Non? Au secours, au secours. Un endroit où se cacher, non? Go go, bah non, pas go. Ouais, les claqueurs ils s'en chargeront. Pas d'objet par là, non. Allez, on monte, on réactive un peu la lampe torche. C'est pas forcément très discret. We can get through here. Hop, allez hop. C'est bien, faites du bruit. Down. Come on, come on, Ellie. Oh, le boucan. Shit, another patrol. Everybody get down. Écoutez, pour le moment, je croise les doigts, mais j'ai été discret. J'ai réussi. Un vrai champion. C'était accroupi. Où que tu veux. Des briques. Non, je crois que j'ai encore ma bouteille, non? Ah non, j'ai plus rien. Il faut les faire une distraction. J'allais dire les distracter. Non, ça ne se dit pas. Il
Eh, c'est pas moi là. Si. Eh, mais ils arrivent de derrière aussi. Mais. Vache, en plus, il me fout sa lampe dans la. Ah bah voilà, j'aurais mieux fait de la fermer parce que du coup j'ai pas été discret. Enfin, je sais pas si c'est moi en fait aussi. Oh la vache! Ah, ils font trop mal! Je sais même pas où me planquer parce que ici il y a l'autre. Wow. Compliqué hein. Puis je crois en plus que j'ai plus qu'une balle. Voilà. Oh, y'en a un là. Ah, puis j'ai plus de vie du tout. Ah, je vais mourir. Ah, là, je vais mourir. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Eh ouais, 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 ouais. Bah, écoutez, il fallait bien mourir à un moment ou à un autre. En force ou ne pas les attaquer du tout. Ah, moi, je voulais pas les attaquer techniquement. Donc voilà, écoutez, on se retrouvera pour l'épisode d'après. On va recommencer de là, hein. Ça fait un peu plus de 20 minutes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a eu un peu plus d'action. J'ai failli être furtif jusqu'au bout, mais voilà, j'ai un petit peu merdé. Donc voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Ciao tout le monde.